Bonjour, je suis Anes Krojima, consul général des États-Unis à Montréal. Comme tout le Québec, l'ensemble de notre personnel a basculé en télétravail depuis mi-mars 2020 et la grande majorité s'y trouve toujours pour respecter les règles de la santé publique du Québec. This past year, our team converted to a new and creative form of digital diplomacy. We continue our work every day to strengthen our partnership with Quebec. Under the roadmap for a renewed U.S.-Canada partnership signed in February by President Biden and Prime Minister Trudeau, our work has never been more important, even if it looks a little bit different these days. Throughout the pandemic, we have provided emergency services to American citizens in need. We are also interviewing and processing immigrant visas for families of U.S. citizens. Our entire team has adapted and innovated to ensure we can provide those essential services. Puisque nous ne pouvions pas organiser notre traditionnelle réception pour notre fête nationale le 4 juillet dernier, des membres de notre personnel ont passé une journée à faire du bénévolat auprès de Moisson Montréal, le plus grand banque alimentaire au Canada, pour trier des denrées non périssables et les préparer à la distribution à travers l'île de Montréal. Notre équipe organise depuis longtemps plusieurs événements virtuels sur une variété de sujets, dont le mois d'héritage hispanique, l'entrepreneuriat féminin et comment gérer les dynamiques entre l'Occident et la Chine. De plus, dans le cadre de notre série Virtual Snowbirds, nous organisons des visites virtuelles aux États-Unis pour ceux qui s'ennuient de voyager. Suivez-nous sur nos médias sociaux pour ne rien manquer. We look forward to building back better as our economies recover together from the pandemic. With the United States donation of 1.5 million vaccine doses to Canada, we are one step closer. On behalf of the U.S. Consulate General in Montreal, we'd just like to give a special thank you to the people and the government of Quebec who have been such great hosts to our American staff and family throughout the pandemic. We will be forever thankful.